que j'aurais pu être plus généreuse aussi, le fait de mieux le vivre. Parfois, j'ai fait des concerts où j'étais hyper, j'étais en retrait et un peu en... Je me protégeais beaucoup et j'aurais voulu donner mieux et plus, en fait. Et puis surtout, le vivre plus sereinement, tout simplement, et apprécier ce beau succès, le vivre bien. Et, enfin voilà, c'est juste ça. Mais c'est pas dramatique. Et puis, il y en aura d'autres. Oui, non mais complètement, hein, bien sûr. Hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, t'as c'est mieux le savourer. Mieux oui, voilà, voilà, mieux. Et puis voilà, j'ai fait une tournée qui est super, mais il y a un moment, j'étais épuisée, j'ai fait un burn-out et tout. Enfin. Ah ouais, t'as fait un burn-out. Ah ouais. Ah, ah bah okay. Pendant 3 semaines, j'étais à l'hôpital dormir toute la journée parce que j'étais épuisée. Et ce que je regrette, bah c'est intéressant que tu me poses la question, mais. Mais je sais. Mais je sais, c'est ma question. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que moi là, c'est à mon petit niveau, mais. Regarde Avicii, Amy Winehouse. Je veux dire, à un moment, ils sont en détresse.